Dialoguer. Dialoguer, c'est un espace échange à discussion sur tout sujet. Paulite Joly avec invité Lio a dialogué sur société, politique, actualité, kilti et la trier. Chaque mardi, jeudi, 6h, 7h à souhait, reprise. Chaque mercredi, vendredi, 8h, 9h matin, sur Télévariété, chaîne 30. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans un nouveau numéro émission Dialoguer qui rentre la CAO chaque mardi et jeudi. Toujours avec moi, Paulite Joly, qui fait le plaisir et c'est un devoir tout pour moi pour tes émissions Sabao, qui a regardé différents sujets, son émission de société, il y a des gens qui disent son émission politique, mais c'est globalement une émission de société. Côté nous parler tout sujet, du moment que le sujet a d'intérêt public et d'intérêt général. Je dis à nous rien avec nous, Chaïna Etienne, qui est directrice de programme dans l'organisation Droit Monde Défenseur Plus. Nous allons regarder le sujet ça, qui est la situation de droit monde en Haïti. Nous allons regarder le bilan 2021 et peut-être le bilan partiel 2022 sous et comment le droit monde a violé dans le pays. Les gens qui ont mouru par balle, les gens qui ont mouru boulé, les gens qui ont kidnappé, etc. Et c'est un plaisir pour nous recevoir Chaïna Etienne et sur le plateau Dialoguer. Ben, bonjour Joly, bonjour équipe émission Dialoguer et bonjour à tous les téléspectateurs qui regardent l'émission. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir pour moi partager, attirer l'attention de la population sur ce qui a passé en matière de droits humains en Haïti. Baron, c'est un plaisir pour nous parler de l'objet qui a passé dans le pays parce que grand pile violation de l'homme et Chaïna. Ça fait plaisir, non, c'est parce que j'ai une occasion, on l'autre occasion en plus pour attirer l'attention. C'est vrai. Alors, et me songe que Défenseur Plus t'est sorti en bilan de, en tout cas, un rapport annuel de 50 pages, côté nous t'as parlé de comment Douamoun violé en Haïti, nous t'es des chiffres comme 2500 moun yotouye pendant l'année 2021, à raison de 7 moun par jour qui ont tatoué. 740 moun mouri dans accident routier, etc., etc. Plus d'un millier de moun qui ont kidnappé, des centaines de moun qui boulé. Comment rapport ça? Comment nous arrivons jeunes données ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a tout l'objet ça dans le pays? En fait, malheureusement, moi, je suis capable de dire que c'est vrai. Et d'habitude, chaque année, chaque 6 mois, et puis chaque année, nous faisons des rapports sur la situation de moun en Haïti. Et pour l'année 2021, effectivement, nous avons sorti un rapport qui est accablant. Côté que nous avons jeune que un pile monde pendant l'année a été mouru soit par lynchage, soit assassiné par balle, soit monde qui boulé vivant. Et un paquet de cas d'assassinat qui pas qu'on pratiquer dans la société haïtienne, qui vient à pratiquer, qui vient faire que nous avons plus que 2000 monde que nous avons répertorié. Au niveau de tout le pays, parce que nous-mêmes, nous avons un bureau central à Port-au-Prince, mais nous avons des animateurs, animatrices souterraines dans l'autre ville, dans l'autre département. Donc, nous faisons toute année, nous faisons un monitoring hebdomadaire. Chaque semaine, nous avons un monitoring que nous faisons sur la situation de monde en Haïti, qui vient faire qu'à la fin, nous sommes capables d'additionner les chiffres, qui ne sont pas un chiffre exact, parce que nous avons un paquet de monde qui mourent, que nous-mêmes, nous n'avons pas arrivé. Donc c'est ça nous avons compté. Voilà, justement. Mm-hmm. Parce que nous n'avons pas de monde qui mourit, que nous jeté quoi. Et nous n'avons pas entrer dans le quartier, que il y a près des quartiers rouges, pour nous raconter combien de cadavres qui gagnent. Mais par rapport avec les gens qui habitent dans la zone, qui a témoigné par nous, les gens qui sont bon côté au cap mourir, nous connaissons que nous n'avons pas de monde qui mourit dans la zone, que soit tout boulé, soit tout jeté, soit bête manger quoi, que nous ne connaissons effectivement combien de monde nous y est. Donc, chiffre que nous baillons dans le rapport, il y a plus que ça qui mourit. Et chiffre officiel qui a sorti en Haïti, en concernant les gens qui mourent, les gens qui sont kidnappés, il y a plus que ça. Toujours mettez dans la tête que chiffre qui baille, soit par une organisation ou bien une entité dans l'État ou bien une entité sur le plan international, toujours il y a plus. Parce que il y a des côtés ni moun qui sorti au niveau international, ni moun qui sorti en dehors organisation, ni moun qui sorti dans l'état pas arrivé côté gang armé vraiment y a opéré. Parce que c'est eux même qui joue rôle chef côté eux même yo habité, nous pas ka là. Et l'état malheureusement pas arrivé là. Donc toujours gè plus cas, toujours gè plus moun qui victime malheureusement parce que nous gagnons population kounya qui vraiment là nous dit livrer à lui-même, c'est au sens propre. Qui pour qu'on lague, pour qu'on fasse avec bandits armés qui a fait la loi, qui a détruit la vie moun, malheureusement. Et pour moun yo kidnappé, tout gen moun yo kidnappé qui était dans le silence. Chiffre que nous te baye en 2021, c'était chiffre officiel.
chiffre rapport l'autre organisation sorti, chiffre que nous-mêmes nous monitorer à travers les médias, les moun yo vin témoigner que yo gen moun yo kidnappé, à travers des membres dans bureau qui connaît que gen un cas kidnapping qui fait que nous comptait, mais gen moun tout qui était dans silence qui juste bay rançon et puis qui pas dit que yo te kidnappé un membre de famille, donc toujours gen plus moun que yo kidnappé. Oui, alors gen un cas particulier qui intéresse nous, c'est que le problème qui a passé au niveau de la plaine, est-ce que nous avons des chiffres sur moun yo touyé, moun yo boulé, raché, etc. En fait, ça a été fait commencer dans plein du cul de ça, côté que deux groupes gang étaient groupés et qui t'ont fait un paquet de victimes, t'ont fait des milliers de personnes qui étaient la caillou pour aller côté que ou pas connaît à destination que yo pas même qui connaît qui côté ou aller. En pile t'es traversé l'autre zone, aller dans l'autre ville, mais nous-mêmes, il y a l'autre fois encore animateur avec animatrice sur terrain, nous pas capable entrer dans zone ça. Et nous te questionné chiffre qui baille de quantité moun qui mourit. Nous jeune moun dans zone qui contacté bureau nous pour demander secours pour nous faire intervention auprès de l'État pour yo pour abdi comment gen moun qui a mouri, comment si moun a mouri, mais nous-mêmes nous pas ka gen chiffre parce que nous connaît que t'es des dizaines selon moun qui dit mais qui quantité moun bon côté yo qui mouri. Mais nous connaissons tous des gens qui mourent que nous avons la puits. Est-ce que nous travaillons de concert avec des autres organisations qui défendent les gens? Parce que nous croyons qu'il y a d'autres organisations qui baillent des chiffres, non? Bon, en fait, organisations qui baillent des chiffres, nous ne travaillons pas avec eux concernant l'enquête qui est menée dans la zone. Et nous ne connaissons pas qui monitorent les gens qui. Méthode de utiliser pour les jeunes. Mais nous-mêmes, ça nous arrive aux jeunes, c'est que des gens qui ont tout yé, qui ont la puits. Que nous par contre qui quantité exact. Gen des moun yo boulé en dans la caillou. Ça c'est par rapport avec témoignage que l'autre moun dans zone là porté pour nous dans bureau a. Gen des moun yo touyé au lagé dans rivière. Donc c'est des moun que ou pas ka connait qui quantité moun yo lagé dans rivière, qui quantité moun qui boulé parce que gen des moun yo boulé cadavre, qui quantité moun qui boulé en dans la caillou, qui quantité moun que yo lagé dans puits, nous pas ka gen chiffre ça. C'est vrai. Non. Mais pour 2022 hein, nous parler un peu de en fait pas assez quand même de rapport 2021. 2022, nous sommes à moitié route et nous avons déjà rien de donné. Oui, 6 mois. Comme d'habitude, j'aime te dire, nous avons toujours fait un rapport semestriel de janvier avec juin, que nous comptons faire une conférence de presse semaine prochaine pour nous capables de présenter le rapport là. Puis accable toujours, malheureusement, chaque année, nous avons une situation qui est pire. Chaque année, l'équipe qui a produit le rapport là, bon, il y a vraiment un découragement parce que c'est toujours le pire que nous avons porté. By population, hein. C'est toujours le pire que nous voulons attirer autorité gouvernementale kounya, on va pas parler d'autorité étatique pour le moment. Donc situation vient accablant que ce soit sur le plan sur ce qui concerne les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits spécifiques comme droits femmes, droits timoun, droits migrants, droits moun qui a vivre avec un handicap et pendant 6 mois ça yo qui se passait pour l'année 2022, nous constatons que les kidnappings sont faits avec plus de fougue. Ils sont faits plus souvent. Ils ont fait. En pigorithme. Oui, justement. Et puis, ils ont aidé la vie trop renforcée auprès de gens qui ont des armes illégales pour les kidnapper. Ils sont à l'aise pour faire kidnapper. Très, 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 très. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons venir sous considération. À nous dire sociologique, nous parlons sous considération qui vient pour comment pays a mené, même de les consacrer première partie à chiffio. Donc ça a mené moi à poser aux questions sur Martissant comme si me bat trop tant des chiffres bah sur monde qui subit des actes de violence de toutes sortes et dans Martissant. Est-ce que nous pas arriver là même? Bon. Yon le fois encore, nous pas aller Martissant. Même déjà avec moun ki placé pou ta aller concernant moun ki a joué un rôle dans l'état, surtout institution qui là pour établir sécurité dans pays a qui c'est police nationale là, police ou pas arrivé par aucune manœuvre, par aucune stratégie, par aucune mesure qui prend pour ta gagner un porte d'ouverture pour moun ta aller au niveau de Martissant. Et c'est une raison qui fait qu'on y a là même nous gain des Martissant. Parce que nous est-ce, que, bouquins, est-ce que c'est parce que organisation en tant que défenseur plus manquait à terre parce qu'il y a des organisations qui entrent des côtés par exemple
FJKL qu'on baille des chiffres sous Cité Soleil, c'est un côté qui a un problème. Et RNDDH qu'on baille sous la plaine, etc. Est-ce que c'est parce que nous-mêmes nous manquons à terre? Nous manquons à terre. Est-ce que c'est ça le dire? En fait, je ne pas dire que nous manquons à terre, mais moi qui a dit que nous-mêmes nous protéger. En fait, nous pas prendre nous pas forcer au monde aller dans une zone côté que ville pas danger. Parce que mais c'est si pas ça, que... si nous défendons le monde, faut nous pas perdre risque. Vous voulez dire que nous c'est mettre la vie nous en danger? Non, pas dire nous c'est mettre la vie nous en danger, mais si nous fait travail sur droits humains, je pense qu'il y a des contacts que nous sommes capables de faire si nous voulons jeunes des données, il y a des méthodes que nous sommes capables d'utiliser des gens qui sont dans la zone. En fait, justement, nous utilisons les gens qui sont dans la zone, mais j'aime bien les gens qui sont dans la zone, rapportent nous que il y a des gens qui tombent dans la pluie. Il y a des gens qui sont dans la rivière, il y a des gens qui ont boulé le cadavre tout vivant. C'est eux-mêmes qui sont dans la zone, ils ne sont pas arrivés à compter. Nous-mêmes qui ne sommes pas dans la zone physiquement, nous gè contact avec moun ki nan zan nan yo même yo rapport attaque a dit ça et nous non en fait non nous dit tout ça nous dit tout ça nous dit que mais nous répertorier ou bien enregistrer des dizaines des centaines mais gè plus que ça parce que moun ki nan zan nan yo rapporté que gè des cadavres qui boulaient gè des cadavres qui nan rivière gè des cadavres qui nan puits que même yo pas arrivé compter nous même nous pas aucun moyen pour nous bien nous féliciter organisateur qui gè moyen pour identifier combien moun ki boulaient combien moun qui puis combien monde qui dans rivière mais nous même nous pas faire mais ça pas empêcher nous faire travail des fois sur droit monde oui mais nous t'as qu'à travailler avec eux non bon en fait ça qui gagne c'est que nous même dans pas du même secteur ça t'a divisé tout non en fait mais ça qui gagne c'est que gagne plusieurs organisations droit monde mais ça pas veut dire que toute organisation droit monde yo gagne obligation pour travailler dans tout aspect question droit monde parce que question droit monde est large nous gagne pas qu'un droit fondamental. Quand il y a une organisation qui penche sur un bilan quand c'était moun qui mourit dans tel massacre pendant ça organisation qui pas penché sur bilan qui est une organisation qui fait nous pas obligé à pencher sur même problème non alors que gagne moun qui pas ka joindre soin santé alors que gagne ti moun qui pas ka éduquer alors que gagne moun qui pas ka manger tout ça c'est droit fondamental parce que gagne moun qui pas ka joindre acte de naissance par exemple c'est droit voilà, identité voilà, qui intéresse c'est un problème que nous te... plus nous allons parler de ça dans la deuxième voilà. partie donc c'est des problèmes yo en pile donc c'est bien que chaque organisation attirer attention population hein, attirer attention autorité aussi un problème mais si nous tout traiter son seul problème non et l'autre problème yo ça n'a pas avec ça pas veut dire que l'organisation qui pas aller dans zone yo qui pas bah un bilan même avec yo pas fait travail non mais il toujours mieux que chaque monde prend moyen un problème les ça n'a pas tout problème yo d'accord Chaina pour nous finir première partie émission hein, est-ce que ka ban nous un petit chiffre parce que nous sommes parlé de bilan 2022 à premier semestre là ou pas ban nous chiffre en fait comme chiffre nous capable dire que pour nous guider des centaines de monde nous pas capable un chiffre exact j'aime dire parce que bon, paquet de vie qui a perdu que personne monde pas de contrôle sur eux vraiment mais en conclusion nous capable dire que situation est plus grave que l'année dernière année 2021 les plus grave ni dans cas de kidnapping parce que déjà pour année 2000 rapport qui était sorti en 2021 t'est montré que nous t'est enregistré nous-mêmes 900 combien monde que ont été kidnappé pour année en 2021 il était dépassé 1000 mais pour 6 premiers mois yo, nous presque dans 1000 ans alors que nous était 6 mois derrière donc c'est sûr que les vin pire dans en année 2022 ya. Et pour monde qui mourir c'est des centaines déjà que nous répertorier que nous enregistrer que nous monitorer qui monde qui a perdu la vie pendant 6 premiers mois c'est victimes vraiment en pile pour 6 okay. premiers mois dans l'année 2022. Alors, où est l'État et dans tout ça, Chaina, c'est arrivé créer conditions pour moun pas mourir. L'État moun a mourir là, mais nous avons un gouvernement qui souvelé illégitime pour certains, légitime pour d'autres. Et qui ça qui t'a de fait au niveau de l'État, je dis, pour ta ne serait-ce qu'atténuer ce qui a passé là? En fait, normalement, chaque l'État t'a dû garantir. Il y a pas obligation pour garantir chaque droit fondamental que moun gagne. C'est droit fondamental que nous fait avec yo. C'est pas un droit l'on fin fait et puis yo pote le prêt ou bien faire cadeau ou bien faire faveur. Des pour fait ou tout gen droit qui inhérent à vos droits naturels. Tout droit fondamental c'est des droits qui naturels. Et que chaque l'état dit que nous prend obligation dans chaque instrument juridique international ou bien régional que nous ratifier, nous dit que nous d'accord avec contenu
que nous avons protégé droit ça yo, que nous avons garanti droit ça yo. Maintenant nous venons dans une situation côté que nous pas capable de l'état sur le plan juridique, nous pas aucun état parce que nous pas les trois pouvoirs yo qui pour fonctionner sur le plan juridique, qui pour former l'état haïtien. Nous gagnons pouvoir judiciaire là qui gagne un gros handicap, nous gagnons pouvoir exécutif là que me ka dit qui pas existé. Parce que si nous prenons en compte ces chefs du gouvernement, chefs de l'État qui forment le pouvoir exécutif, là. Nous n'avons pas un chef de l'État, nous avons un chef du gouvernement qui n'est pas légitime. Et je ne dis pas pour d'autres qui sont légitimes, parce que dans tout plan, sur tout plan, il n'est pas légitime. Parce qu'en matière de droits humains, sur le plan international, un gouvernement qui est légitime, c'est un gouvernement qui a garanti droit à chaque monde qui a vécu sur le territoire. Donc déjà en matière de droits humains, même si légalement il est passé devant le Parlement, il a fait toute procédure pour le pour nous avoir un gouvernement, un chef du gouvernement, il n'est pas légitime parce qu'il n'est pas garanti droit mouvement. Ça n'a pas empêché que l'organisation et Mondialio travaillent avec lui. Bon, justement, c'est une tout en travail avec Pierre-Marie-Henri. C'est... D'ailleurs, au pas sans savoir que l'ONU s'est fait 205 recommandations à Haïti sur question droit mouvement. Oui, et c'est le gouvernement qui est recevoir pour examen périodique universel. En fait, c'est une raison qui fait nous-mêmes dans la défense en plus. Nous commençons à questionner au niveau régional. On a parlé de système interaméricain, hein? Nous questionner au niveau international, on a parlé de Nations Unies, qui dit qu'il y a créé conditions pour chaque État capable de garantir droits citoyens avec citoyennes dans le pays. Nous commençons à questionner parce que déjà en Haïti, nous avons un petit village, nos régions, nous avons un grand village qui est international même. Il y a une situation en Haïti. Il y a une que pas aucun droit fondamental qui est respecté en Haïti. Donc, pas de aucune mesure qui prend chaque jour, ça a détérioré et nous avons la preuve en est grande. Les gagné migrants et sous frontière Mexique avec États-Unis. Comment un migrant a passé un paquet de misère et que pas gagné que tu dit au niveau international, pas gagné que tu dit au niveau régional, alors que était clair dans l'instrument juridique que il interdit déportation collective. C'est clair. Donc, jusqu'après, ou vinoué que y a préagi que. Effectivement, c'est domaine pas de droit ba nous retourner moun yo de façon massive et que États-Unis pas de droit faire. C'est juste après au faire mais à la vérité le point de départ serait que il y a condition pour nous rester là caillou nous sinon nous pas n'a pas moun a voyer nous tourner. Oui, mais c'est un droit que nous devons nous migrer tout. C'est un droit fondamental. Droit pour nous migrer, c'est pas quoi c'est droit qui fait aller. Plus quoi c'est nécessité qui nous va chercher la vie. C'est pas un droit nous gagner et nous dire ah bon j'ai droit pour migrer. En fait ça moi nous avons un problème et nous obligé à chercher côté pour nous faire manger. Que nous chaque nous gagne un droit si nous dans un pays que nous pas fait c'est que n'a vivre en tant que monde nous gagne droit pour aller chercher aux conditions ailleurs. Donc pays est bien pour créer meilleures conditions. Pays est bon oui ça c'est sur le plan national. Mais le fait que nous sont déjà là États-Unis ça te gagne pour te faire c'est même gens les mêmes gagne droit interne qui dit que il pas supposé traiter monde comme ça. Il y a une loi internationale qui dit que le pas supposé faire. Il est de respecter lui-même parce que lui dit, sur le plan national, il dit qu'un étranger qui vivait sous terre, il a étudié cal. Et ça qui est une loi. Nous-mêmes, dans l'organisation de la monde, nous avons fait travail sur la base de ce qui est écrit. Donc le fait que vous écrit ça, le fait que vous signez des conventions pour ça, par contre, comment vous avez fait pour étudier cas par cas de milliers d'Haïtiens qui étaient dans le pays, mais vous êtes supposé faire. Ça a fait vraiment illégal et ouais que Nations Unies pas vraiment prend ça à cœur ni un système interaméricain pas vraiment prend ça à cœur juste après on a parlé de ça bon ça va empêcher que se fait nos 205 recommandations et nous pourrons le prendre pause là de nous tourner nous pourrons le garder aspect sociologique question c'est-à-dire depuis que la bataille de l'amour commencé en un pays sinon qu'a dit bataille de l'amour mon côté le commencer. Qui bilan, par exemple, Défenseur Plus comme organisation qui l'a depuis 9 ans, nous fait que ça fête 9e anniversaire à nous. Nous allons regarder qui ça Défenseur Plus réalisé. Est-ce que ça qui réalisé dans quatre batailles doit moun en d'un pays a rivé pour tes résultats vrais? Le nap gade comment bagay yo toujours après aller pi mal. Par exemple, moi, écoutez bagay yo aller mieux. Nap gade question sécurité. Nap gade yon bagay qui intéresse en pile les organisations Défenseur Plus qui c'est droit à l'identité. N'a fonti vous écoutez sur ça, la pause et à tout de suite. Kounia, acheter minute vin pi easy avec Easy Minute. Quand téléphone nous, montez Kounia sur easyminute.com ou bien allez sur application mobile nous, recharger téléphone nous, téléphone ménage ou, zami ou, famille ou, easy. Quel que soit côté ou yé dans le monde, voyez minute sur téléphone famille en Haïti grâce à easyminute.com. Ou jouez un pile avantage. Easy Minute.
c'est plus minutes pour moins l'argent. Application easyminute.com nan disponible sur App Store à Google Play Store. easyminute.com. Nous retournons après pause là, on a rappelé qu'on a suivi l'émission dialoguée. Invitez-nous, c'est toujours Chahine Haïtienne, directrice de programme dans l'organisation Défense Droit Monde, Défenseur Plus. Nous avons regardé bilan situation Droit Monde, en tout cas en Haïti en 2021 et premier semestre 2022 à la quantité de monde qui mourit, alors quantité de monde qui tué, ça a boulé, quantité de monde qui kidnappé, monde qui mourit dans accident de machine. Tout ça, c'est des chiffres qui montraient comment l'État peut créer conditions pour la population vivre bien. Si on a pédé mourir dans accident, ça veut dire que pas y a assez bon route, route yo pas assez large, pas y a assez bon machine qui a couru dans la rue à tout parce que virer tourner au perdu frein, etc. Moun kap touye yo, moun yap touye yo, fo jwenn zam pou yo touye yo, alors que nous sommes pays qui sous embargo zam. Et zam rentre par pile et par paquet. Récemment, zam rentre sous nom l'église épiscopale. Moun continue mourir. Gagnon l'État, qui n'est pas grand chef de l'État, mais qui est gouvernement, quitte là pour garantir droit moun yo, respect droit moun yo, créer conditions pour moun vivre bien. Mais nous gagnons toute une tradition de mauvaise gouvernance qui conduit nous là, Chahine. Qui ça je dis à secteur défense droit moun nan senti l'hypoté comme contribution qui t'a capable ne serait-ce que par konnen éveiller conscience moun sur nécessité qui gagne pour bataille faite pour respect droit moun. En fait moi capable dire que nous à travail j'aime te dire sur bal ça qui écrit dans instrument juridique international yo régional yo et puis national yo. Tout ça qui écrit nous prend comme mission nous pour nous capable de travailler, mais nous avons limite nous arriver côté que l'État lui-même est supposé agir. N'a pas appelé l'État qui ça doit faire, qui ça lui obligé faire, qui ça lui doit garantir. C'est à eux-mêmes qu'on y a qui pour agir parce qu'ils ne peuvent pas agir dans place l'État. Des fois il me paraît que travail nous pas un impact puisque nous dit fait mais pas rien qui fait. Mais je pense que l'État pire si pas gagner des monde qui dit qui pote tête comme des défenseurs des droits de l'homme qui pas forcément monde qui travaille dans organisation droit monde ou pas obligé dans organisation droit monde pour ces défenseurs des droits de l'homme ou juste capable constater que tel droit pas respecté ou même ou signaler ça ou recommander ou exiger ou parler de ça parce que ça intéresse ou venez me défendre droit ça mon pas obligé dans organisation il y a plusieurs journalistes qui a fait des travail de défenseur des droits de l'homme et on pas quel monde qui dans l'autre métier tout qui a fait mais là tout le monde était en silence c'est ça ba la détériorer moi capable dit si moi retourner dans temps longtemps côté que nous mêmes haïtiens côté que nous étaient des noirs esclaves si nous étaient dans condition que te mettez nous y a traité nous en tant que objet esclavage dans monde là peut-être que te ka continuer à faire que dans le monde entier nous continuer à traiter comme des objets mais te gen un groupe moun qui te dit que yo pa ka vivre comme ça en tant que moun yo révolté yo pote yo fait un impact dans le monde entier nous pote yon exemple nous gen impact nous dans ce qui a trait avec droit moun dans le monde entier parce que nous dit non condition ça pas bon pour nous nous révolté vinn faire que nous vinn un peuple qui libre et que nous vinn vle vivre tant que moun. Mais kounya tout moun sa c'est parce que tu vois que gen un changement que tu supposé faire même défenseur droit moun qui vinn prendre dit tête c'est défenseur droit moun c'est parce que yo vois quelque part gen des changements qui méritaient fait pour moun pas continuer à vivre tant que yo pas moun parce que immédiatement yo retirer une droit fondamental que yo supposé jui immédiatement yo dit que pas moun parce que tout droit yo c'est pas droit que ou doit acheter que ou doit faire cadeau c'est des droits que naturellement un gouvernement doit baou on est pas droit d'aller boumer ou justement ou parce que yo retire la carou c'est parce que on considère que pas moun. Mais peut-être que là et Chahine il y a un problème entre défendre droit moun et faire promotion droit moun moi te recevoir un monde qui travaille dans la question droit moun peut-être que connaît le Fitinel Pierre monsieur à la tête de CPD c'est combi pour la paix et le développement. J'étais même recevoir prix défenseur droit moun en République française en 2021.
Mwen nou tap pale sou défendre dwa moun et faire promotion dwa moun. C'est-à-dire que en Haïti, nous avons l'impression organisation yo plus dans question défendre dwa moun nan et non dans promotion dwa moun nan. Est-ce que c'est pas un handicap ça y est? En fait, une organisation capable chercher mission pâle, nous même dans défenseur plus, nous ni défendre nos mission ni pour nous défendre ni pour nous faire promotion droit monde. Parce que nous parlons de seulement dans Port-au-Prince là, on allait dans plusieurs départements et c'est pas seulement dans l'ouest là, côté que nous essayer sensibiliser moun yo. Nous faire formation, nous montrer yo dans tout aspect droit fondamental yo, nous faire formation ni pour femmes, ni pour jeunes, ni pour journalistes, ni pour policiers. Pour toute catégorie moun nan société a nous essayer montrer yo attirer attention parce que gen moun ki a viv et ki pa même konn question que yo gen droit yo juste mette nan tête yo que bon gen des moun en Haïti malheureusement pas considéré tête tout coup moun et yo mette yo à l'école yo pays a ça fait pays yo pays l'autre moun yo pays moun avec yo pays moun Port-au-Prince yo ta y moun ki a viv nan zone des éloigné yo nous même n'aller pour nous apprendre yo konnen que question droit moun c'est des fois vivre ou supposer que droit qui inhérent avoir qui lié avoir donc si yo pas voulez respecter droit ça c'est à nous même qui pour exiger c'est nous même peuple là qui pour exiger parce que en tant que peuple si nous rete nous gen des dirigeants qui a méprisé droit que nous gagnent et nous rete nous croiser bras nous c'est là m'a venir que nous travail que n'a fait à ligue sans ni parce que si tout le monde rete croiser bras nous quitter tout dirigeant a du tout privilège budget national yo trésor public là et puis yo pas fait rien pour garantir droit que moun gagne la pi mal si tout moun gete dans silence yo. Oui, au-delà de travail et organisation yo gagnent l'état qui supposé qui pas ta même doit laisser place pour gagner des organisations de défense droit moun. Ouais. C'est-à-dire que l'état comme responsable ta supposé garantir respect tout droit moun gagne mais laissez-moi poser une question ça Chaïna. Est-ce que nous-mêmes au niveau de défenseur plus, on peut proposer l'autre organisation qui travaille sur question ça. Est-ce que nous gagnons des moyens pour nous mesurer impact travail de sensibilisation et de promotion des droits de l'homme que nous avons fait à travers le pays? Est-ce que nous gagnons des méthodes pour ça? En fait, justement, c'est un projet que nous gagnons en cours, nous-mêmes dans défenseur plus, parce que l'autre année, nous avons fêté 10 ans depuis nous. Travail en Haïti, n'a travail tout qui se doit moun. Nous mettez dans plan nous pour nous dire ça, pour nous gagner, c'est pas nous dans l'institution même, c'est des bénéficiaires de l'activité que nous menons. C'est des mouns qui ont un regard face à nous-mêmes pour nous capables de faire une évaluation de l'impact que travail nous porte en Haïti pendant 10 ans. Qui ça nous a supposé faire en plus, qui ça nous fait que, qui ça que nous pas fait. Et bon, vraiment évaluer l'impact nous. C'est un plan que nous gagnons pour nous faire ça l'autre année. Mais jusqu'à maintenant, par radio, que exactement que nous évaluer tête nous, mais nous comptons faire pour 10 ans. Alors, je me pose une question ça parce que m'estimer que c'est très important justement. Dans la mesure où ou pas qu'à faire un travail comme ça et puis pour pas qu'on ait dans qui niveau le toucher mon yo qui résultat sa poté. Et est-ce que gagne un canal de communication entre différentes organisations dans le monde et en Haïti, est-ce qu'il y a? En fait, moi capable de gagner plusieurs réseaux. Je me dis ça, il y a une organisation qui a fait partie d'un réseau, côté que réseau ça entre eux yo communiquer plus facile. Mais ça pas veut dire que toute organisation dans le monde en Haïti yo gagne communication entre eux. Okay. Mais il y a plusieurs qui gagne organisation qui gagne communication entre eux. Par exemple, nous dans Défenseur Plus, nous dans Clio côté c'est un regroupement de un paquet d'organisations que nous gagnons communication entre nous, que nous gagnons des échanges, que nous gagnons si telle organisation a travaillé sur tel aspect dans la question de droit monde, nous-mêmes nous a travaillé sur l'autre aspect pour capable compiler barayo et une ça n'a pas essayé faire nous-mêmes dans niveau défenseur plus parce que nous remarquer que organisation droit monde qui plus grande visibilité que plus ou être travaillé c'est ça qui n'a pas au prince. Alors que gon paquet organisation droit moun qui dans l'autre vidéo gon paquet organisation communautaire qui besoin mais qui besoin des bras pour yo capable faire sortir travail que y a faire pour yo renforcer yo toute organisation ça yo nous gen l'impression que secteur là faut se mettre aux deux côtés et que nous rester entre nous n'a pas au prince. Okay.
Donc c'est un bail n'a essayé de faire pour nous ramener parce que dans l'autre vidéo il y a plusieurs cas de violation de droits humains et il y a en pile. Alors, nous te pose une question ça, c'était pour essayer de comprendre s'il pas mieux que toute organisation qui travaille sur question de droits humains en Haïti mette tête ensemble pour yo chercher étudier l'impact que nous tous qui travaille sur question de droits humains gagne au lieu c'est défenseur plus qui va regarder qui impact il fait lui-même. NDDH qui va regarder qui impact il fait lui-même, CPD qui va regarder qui impact il fait lui-même, nous tous sommes capables de regarder sous 10 ans, sous 10 dernières années, ça yo, qui impact le travail de défense de l'homme et de promotion de l'homme, river gagner de manière effective en d'un pays. C'est une recommandation qui a fait pertinente et parce que c'est une bonne idée, mais qui ne dépend pas seulement de défenseur plus, parce que chaque organisation, ouais, bagaille en façon. Bon. Alors, bon problème. Oui, nous espérons que ça va arriver, mais un problème qui est souvent souligné dans le secteur ça, comme quoi tu vas gagner des organisations qui défendent les droits qui politisent, ou du moins qui plus intéressées à la question politique qu'à la question de défendre les droits en réalité, ça qui vient fragiliser le travail secteur, d'autant plus que généralement, organisation ça, c'est eux qui sont connus. Il y a des organisations qui travaillent sur la question des droits en Haïti. Dans la province, dans des quartiers populaires, qui ont des entrées dans des quartiers populaires et qui ont accouché des projets intéressants que les gens ne connaissent pas trop. Alors que il y a des organisations superstars, tant que NDDH, tant que Défenseur Plus, etc., qui ont pile monde connaît, mais il y a des organisations, selon Mounio, qui t'a pas plus intéressé à faire question politique que intéressé à question de droit monde. Est-ce que c'est ça qui t'a fait que secteur pas qu'à mettre tête ensemble pour mieux travailler et puis mieux évaluer travail. OK, en fait, laissez-moi dire que quand gagner en catégorie de organisation qui intéressé avec droit social, économique et culturel. Mais intéressé avec politique là pas veut dire que ou pas intéressé avec droit humain parce que intéressé avec politique là il fait partie de droit civil et politique. D'ailleurs, d'aller au-delà de droit civil et politique, parce que pour gagner en bonne condition ce qui a trait avec droit économique deuxième génération, génération de droit, nous d'accord que ces dirigeants, nous d'accord que c'est mon cap gouverner nous qui pour garantir droit ça. Qu'on a dit que nous pas intéressé nous avec aspect politique là, et puis nous intéressé nous avec en bas, alors que problème là c'est en l'air. Parce que mon qui a géré comme pays a, mon qui a joué privilège comme pays a. Budget national là qui réserve un paquet de privilèges pour un petit groupe moun alors que masse là lui-même est vraiment dans la misère, pas intéressé avec eux du tout, pas intéressé avec question politique, pas intéressé avec question élection, pas intéressé à ça yo, pas et moins que li pas cadré avec travail qui sont droit moun. Défenseur plus que, intéressé à question élection, bien sûr que nous intéressé avec parce que en fait si nous voulons que nous gagnons en l'état qui stable côté que nous avons trois pouvoirs judiciaire, exécutif, législatif, c'est élection pour bali. Qui bon nous n'en PM Ariel Henry qui pour faire élection ou bien son transition pour faire pour élection en fait. Bonne question moi ça. Ouais, je comprends. Mais en fait côté nous exactement c'est que nous connaissons que c'est normalement c'est faut nous gagnons élection pour nous t'avoir gagner un pays qui stable. Mais par contre nous réalistes, nous connaissons que nous pas gagner élection dans l'instabilité que nous gagnons. Donc nous préférons transition nous mêmes dans défenseur. En fait, nous préférons que tout secteur mette tête ensemble pour nous joindre en solution à la haïtienne et que c'est pas bon en fait, pas dit transition. Qui ça la pied? En fait, c'est pas élection. Parce que si me dit sur transition, c'est que décision sortie dans défenseur plus. Non, pas sortie dans défenseur plus. Alors ça me dit c'est que à la vérité, nous-mêmes, comme organisation qui défend le monde, nous, conscients, nous, acteurs, nous avons regardé comment la situation du monde a détérioré dans le pays. Et nous, sans doute, dites-nous, mais qui conditions qui pour ta réunir pour rebalancer la vie normale dans le pays pour tout le monde qui a joué normalement. Et étant donné que nous avons un premier ministre qui a un an là et qui n'a pas fait absolument rien, peut-être nous avons un point de vue sous lui. Nous dit peut-être nous, soit c'est lui qui entend à l'autre monde pour faire élection, donc c'est après transition, soit lui-même, lui mette, quand son l'entaille, lui fait une élection. En fait, nous avons catégoriquement nous avons doute sur que
monsieur Ariel Henry voulait faire un baraque qui meilleur pour pays parce qu'à plusieurs reprises il montrait que il à l'aise et confortable en dehors de constitution, il est confortable en dehors de règles de droit parce que lui-même il déclarait que la baita pays avec un président qui est élu. Mais par contre qui ça l'a fait en retour parce que il est d'accord que pour un président faut qu'il élu. Alors mais que il pas d'accord et pas ça encore, il est pas d'accord que cour de cassation qui est à la tête de pouvoir judiciaire là, CSPJ qui pour administrer pouvoir judiciaire là et que yo même c'est président qui un président qui élu qui pour jouer rôle et pour mettre placer moun dans institution ça yo. Li même li mette tête li dans situation que c'est lui même qui pour nommer juge dans cour de cassation, c'est lui même qui pour nommer conseil dans CSPJ, il est d'accord pour faire désolé ça, mais il est pas d'accord et pour lui se déplace à des mouns qui t'as capable de venir voilà, pour les conditions pour élection. Ça, faire. C'est une preuve que li à l'aise en dehors de règles de droit. Donc, le fait que li à l'aise en dehors de règles de droit, nous doutait fort que li voulait une situation qui est meilleure pour Haïti. Et de fait, l'insécurité là a augmenté et pas lui-même qui fait. Certes, parce que t'es toujours là. Ariel vient de venir là. Il y a eu un peu de temps. Il vient d'une insécurité à là, mais il n'y a pas aucune stratégie, pas aucune mesure en tant que président CSPN pour t'ajouter des mesures pour améliorer la situation. Pas pour résoudre totalement parce que nous ne pouvons pas être mentir. Dans un an, nous ne pouvons pas gagner toute gang sa yo qui est multipliée pour être détruite dans un an. Mais en tant que président CSPN, qui fait le Conseil supérieur de la police nationale, où tu as supposé que nous avons une solution quand même. Donc, vous voulez dire pas une bonne gouvernance, pas une droit de respecter. Mais ça mène nous rapidement, Chahina, dans 205 recommandations que l'ONU fait à Haïti dans le cadre des troisième examen périodique universel que Haïti se subit là. Et 205 recommandations sont tombées. Et qui ça dit nous? En fait, ça qui peut attirer l'attention nous dans l'examen ça. Et parce que c'est examen c'était en janvier 2022. Pendant l'année 2021, nous même dans l'organisation de l'Amounium, quand nous étions 9 ou 10 de défenseurs plus, nous faisons des rapports alternatifs. Oui. Pour nous, pas dire que rapport alternatif là, il contrecarre rapport d'État, mais il montre réalité que l'État pas démontré. Parce que dans rapport l'État haïtien tape soumettre by équipe EPU. Le président de tête comme belle garçon. Ouais que situation droit monde c'est bagaille qui vraiment pas amélioré gain espoir. Oui. Et que nous même dans rapport pas nous, dans plusieurs rapports de défenseur puisté soumettre rapport lui-même sous droit à la sécurité, mais tes concessions nationales qui étaient faites côté que défenseur plus même était appelé à soumettre à parler de éducation dans le pays, nous montrer plus réalité à comment dire. Malgré ça, l'État il fait un examen. Ça qui peut attirer attention nous en dehors de recommandations que vous faites, l'État il fait, c'est que lui passe examen. Haïti passe examen. La question de 4 années qui se passaient là, Jean. L'État haïtien est bien garanti droit monde. Donc, si vous passez l'examen, c'est que vous faites bon note, vous êtes bien garanti droit monde. Ouais. Donc, ça c'est une raison pour nous mettre en question cette question de Nations Unies qui voulait une meilleure situation pour haïtien. Donc, si là encore, bon, recommandation que vous faites à Haïti, nous attendons nous que 4 ans après que Haïti va passer l'examen. Parce que nous, j'ai une situation comme ça, là, nous pas respecter. Et nous pas en mesure pour nous respecter. Nous par contre, qui est dans un état qui est stable, qui peut garantir le droit ça, qui peut garantir les recommandations ça. Gouvernement, chaque temps, pour gagner, changement qu'a fait au niveau de ministère, tout et tout, parce que gagner qui joue rôle direct dans la question de l'homme. Bon, nous parlons. Il y a un comité interministériel tout ça, et le ministère, tout qui joue rôle dans la question de l'homme. Et. Nous pas gagnons espoir que pendant 4 années, recommandation ça yo yo pral vraiment mettre sous pied pour gagner des un plan stratégique et politique publique sur question de l'amour. Mais qui mécanisme de pression nous gagnons au niveau de l'organisation cap défendre de l'amour, étant donné que l'ONU a passé avant l'ONU passé état au examen, les consulter organisation cap travail dans la question de l'amour. Est-ce que après ça, même j'en consulter non, est-ce que nous avons des mécanismes de pression que nous avons fait sur l'État pour respecter les recommandations sérieuses, ou du moins nous capables d'aller devant l'ONU pour nous dire maintenant passé l'État il s'est pas fait sur les recommandations sérieuses. Est-ce que nous avons bon juste en fait ça nous gagne comme manœuvre, c'est
continuer à faire des rapports alternatifs, montrer la réalité là, et continuer à solliciter les Nations Unies ou bien l'OEA pour ramener les tarifs à l'ordre. Mais que par contre, qui les tarifs ne pas le ramener à l'ordre, puisque nous ne pouvons pas considérer que c'est un homme au pouvoir que nous avons jeudi dernier. Donc, un homme n'a pas représenté les tarifs. Donc, nous ne connaissons pas qui est-ce que nous ne pouvons le ramener à l'ordre, dit que l'État est supposé garantir tel droit. D'ailleurs, il y a une chose qui a attiré l'attention de tout. Il est clair pour l'ONU que la question de sécurité est grave. Et l'institution policière a dégradé de jour en jour. Il a demandé l'État pour les renforcer la police nationale dans le cadre de 205 recommandations. Oui, mais nous-mêmes, le fait que c'est nous-mêmes comment, qui comment fait... Comment l'État va le faire ça? En fait, le fait que nous-mêmes, dans le rapport alternatif que nous avons fait sur la question du droit à la sécurité, et nous avons parti ça, nous avons fait recommandations pour 4 recommandations, 3 recommandations que, parce que nous n'avons pas de droit à faire plus. Côté que nous avons demandé pour nous-mêmes recommander à l'État haïtien lors de l'examen pour faire un vetting au niveau de police nationale là pour renforcer le contrôle dans l'aéroport, port, douane, tout ça parce que c'est là que nous passons, nous-mêmes nous pas produire. Bon, et fait que l'impunité à l'événement pour ne pas suspendre à prégner parce que quitte monde qui complice, quitte monde qui a manœuvré les amis, ils sont supposés passer devant la justice. C'est trois recommandations que nous avons fait. Bon, peut-être qu'ensemble, ils mettent pour demander des tarifs, ok? Parce que c'est recommandation que nous-mêmes nous faisons dans le rapport, yo, que nous-mêmes nous compilons pour faire Haïti avec l'autre pays qui a gardé la situation hein, qui fait Haïti recommandation. Donc, ils dit pour renforcer la police nationale. Là. Nous pas ouais que la police nationale a simplement besoin de renforcer en matière de matériel. Et pas seulement ça, c'est clair. Parce que nous avons une police qui vraiment un paquet de dérives qui a passé dans le temps, nous avons tout ça qui était rivé avec fantômes, groupe syndicat, toute police qui déserté, des police qui partent qui étaient postés, qui mourent, qui entrent dans la gang. Donc nous vraiment, et pas seulement ça qui entrent dans la gang de manière officielle, mais qui entrent dans l'institution, hein, mais qui collaborent avec la gang. Bon, là, nous méritons vetting. Et tout matériel la police qui dans même monde qui gagne illégal dans même pas jamais aucune petite mesure parce que ça c'est pas grand pour dire permettre que population lui même identifier qui leur dit en face un bon policier ou bien identifier qui leur dit en face un monde qui juste porter uniforme la police là ou bien qui juste dans une machine la police pas rien qui fait dans ça donc défenseur plus quoi que au-delà de renforcer la police là au niveau de matériel tu as dû gagner des formations qui fait pour la police là. Et condition pour mon entrée dans la police là. Faut que trier. Condition pour mon entrée dans la police là, t'as dû changer tout. Bon. Je dis à la. Bon, pourquoi l'école. Faut, même si on fait 9e, on va entrer dans la police. Nous avons très bonne collaboration avec l'école nationale police hein, parce que y a des projets que nous avons exécutés qui ont un rapport avec la police même, qui ont un rapport avec la violence policière. Ça mettait nous en très bonne collaboration avec l'école là. Qui fait nous connaître que nous avons un paquet de bonnes mesures qui prend pour ne pas prendre n'importe qui. En méthode de utiliser pour pas n'importe monde d'après eux-mêmes qui entrent dans la police là. Nous croyons ça dire. Pour question de classe 9e tout ça. Question a été soulevée vraiment que directeur adjoint de la police là fait directeur adjoint d'école là fait nous connaître que examen que moun yo passé pour yo vinn entrer dans académie hein, entrer dans l'école là, examen li pas dans niveau au monde qui fait 4e. Donc, même si mon a fait 4e, selon lui-même, il n'est pas passé l'examen ça pour l'entrée. Tant pis, Chahine Haïtienne, rendez-nous service, rendez-nous dialogue et service là, rendez-nous télévariété service là. Allez vérifier ça, directeur et académie, dit là, parce que nous pas quoi dans ça. Nous avons des données qui montrent nous le contraire, mais nous pas prêter sur ça. Il y a des bagages qui sont plus basiques ici en Haïti que nous pas arrivé à gérer. Nous pas l'entrer dans la question de l'identité, mais nous fait vraiment coup sur question ça. Mais il était intéressé vraiment pour nous toucher comme dernier point dans l'émission. Dans le rapport nous t'es sorti en 2021, un rapport de 50 pages, nous t'es dit que nous t'es cité Wilfried Bertrand, qui c'est directeur archives nationales depuis toujours, et qui t'es dit gagner 3 millions haïtiens qui vivent ici quoi à l'étranger, pour la diaspora, qui pas gagné acte de naissance. Alors que nous seulement 11 ou
peut-être environ 12 millions, comme il y a longtemps, on va faire recensement, qui était cette qui sous monde qui vivait, soit haïtien qui vivait à l'étranger. Comment va ça même, Chaïna? En fait, c'est un problème qui est vraiment grave, parce que d'un coup, nous gagnons tout le monde qui peut exister légalement. Et en effet, le problème non, il est là, en Haïti, et puis présent dans un milieu qui reculé. Nous même nous avons gagné possibilité pour nous travailler dans le département NIP avec le département 5, avec un projet que nous avons exécuté qui a un rapport avec l'identité, droit à l'identité. Côté que nous rencontrer, bon, nous te permettre que plus que 200 monde jeune ou adolescent, ce projet a pas duré longtemps, mais nous te former le plus que monde que nous capable, sensibiliser plus monde que nous capable, ramener eux même à vler, parce que monde ça pas intéressé au faire adolescence petit jour tout ça, mais nous conditionner pour sensibiliser eux pour yo identifier eux la bon pour yo. Mais quand il y a monde qui veut faire qui veut volonté pour faire là, l'État pas en mesure pour lui offrir identité à, parce que dans milieu qui recule yo, l'État pas existé là. Oui, n'a service pas arrivé là, nous on peut parler là, voilà, de violation de droit monde, parce qu'il y a des services qui c'est les services de base qui doivent supposer dans tout pays là, mais nous avons l'impression, pas l'impression, hein, je dis à nous parler plus de République de Port-au-Prince, c'est-à-dire que toute bagarre est concentrée dans Port-au-Prince, il y a des monde qui là Pestel qui pas ca et même un acte de naissance, et c'est très grave comme oui, comme violation de droit. Parce que garantie droit à l'identité, l'État doit à jeune population, hein, et clair, la population. C'est pas population pour chercher. Moun qui habite loin yo, il est difficile pour yo même pour yo venir dans ville, dans grande ville yo pour yo venir faire un acte de naissance par exemple, bien l'autre pièce qui capable identifier yo. Il est difficile pour yo et l'État même pas à jeune yo. Qui mesure alternative vous pensez qui est capable de prendre en attendant que le problème ça résout sur le long terme? En fait, sur le moyen terme. En fait, ça qui gagne pour faire, c'est l'État qui peut agir mieux. Dans une zone éloignée, il faut gagner des agents de l'État, clercs, officiers d'État civil, tout un ça. Un bureau qui, formel, justement, qui est là, qui peut servir la population, communauté qui est éloignée, il faut que l'État prévienne là. Mais est-ce que l'organisation qui travaille dans la question de l'Ouamounio, pas fait des programmes tant que ça dit là nous te font programme côté nous livrer nous permettre 200 monde plus que 200 monde plus que 200 monde. Est-ce que l'homme t'a parlé de mesures alternatives, il est capable de sortir beaucoup de l'État comme ça, l'État capable de servir avec organisation et cap travailler dans la question de Amounio pour en attendant pour tes services là de manière formelle et définitive, c'est-à-dire installer de bureaux, parce qu'un bureau a quand même prend temps, mettre personnel, créer infrastructure, parce que je dis à la voile Jérémy pour aller de l'autre côté pas rien route. Donc, il faut que les conditions soient réunies pour des services capables de vivre jeunes mounio jusqu'au TEA, mais en attendant, est-ce que par exemple, on va avoir alternative, utiliser l'organisation pour Défenseur Plus, LDDH, etc., pour faire des programmes qui sont capables de mener et mener mounio, faire acte de naissance pour pallier à problème ça en attendant. En fait, ça qui pose des problèmes, c'est que manquer matériel pour officier d'état civil, clerc, tout travail, même matériel qui est vraiment minime, tant que papier, en tout ça, saut qui n'est pas disponible. Si vous avez quelques machines dans le cortège Premier ministre, c'est un problème de résoudre. Pas seulement dans le cortège Premier ministre, il y a 10 sénateurs qui ont un paquet de privilèges, mais dans le modèle qui fait. Parce que tout privilège, il y a un pile de privilèges dans le comment tu retirer des trois privilèges et permettre que un renforcement en fait au niveau de l'archive nationale, permettre que officier d'état civil ait des conditions pour le travail, clair tout ça qui pas nommé d'ailleurs, clair que étant que c'est bénévole tout temps il a fait, mais c'est des monde qui travaille, situation du pour tout le monde, c'est des monde qui des familles qui pour yo en fait bien besoin dans famille yo, mais qui a fait bénévolat en paquet de côté pour l'état haïtien, alors que gon l'autre groupe monde qui a dû plus que ça pour yo porter. Donc faut que l'État commence à prendre responsabilité. Il y a trop d'écart au niveau de monde qui travaille au niveau dans l'État. Trop d'écart. On paquet mon abjure. On paquet privilège. On paquet mon employé de l'État tout qui pas qu'à toucher. Il y a trop d'écart parce que tout le monde travaille, tout le monde sorti la caillou 8h, 4h à travail. Alors pas tout parce que les gens c'est une heure de temps au fait dans le bureau et puis les gens qui fait plus de temps et hors pays que dans le pays mais
budget national là, parce que c'est pour y donc trop écart. Alors, Chahina, c'est un plaisir pour nous te recevoir sur plateau émission Dialogue et jeudi pour nous parler de situation de Wamoun en d'un pays. Gardons petit bilan 2021 et moitié 2022, comment ça est. C'est un plaisir. Bon, plaisir à les partager et nous espérons que c'est pas dernière fois et que la prochaine fois nous portons plus bonnes nouvelles. En fait, qu'il y a très. Ah, nous te avec... portons bonnes nouvelles jeudi. Alors, pour nous porter bonnes nouvelles, pour nous dire qu'il y a amélioration qui fait dans telle question de Wamoun. Même si nous dit que il faut pas garantir mais il y a une qui fait un effort quand même. Nous espérer ça, c'est un plaisir pour nous de rentrer la case aujourd'hui avec un nouveau numéro émission Dialoguer. Merci et à la prochaine. Dialoguer. Dialoguer, c'est un espace échange à discussion sur tout sujet. Pauluit Joly avec invité Lio à dialoguer sur société, politique, actualité, kilti et la trier. Chaque mardi, jeudi, 6h, 7h à souhait, reprise. Chaque mercredi, vendredi, 8h, 9h du matin, sous Télévariété, chaîne 30.